Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un masque super efficace. Je l'ai testé, j'ai dit faut que je le partage maintenant parce que franchement, c'est super. C'est facile, c'est des ingrédients qu'on a à la maison. Et je le trouvais évident de vous en parler. Si vous avez les pores dilatés et si vous avez besoin de raffermir un petit peu la peau, eh bien regardez cette vidéo, vous êtes à la bonne vidéo, restez là. Donc les ingrédients, c'est du Nescafé et du cacao en poudre. Alors mon amie, elle m'avait proposé, elle m'avait dit qu'elle mettait du yaourt aussi, puisque c'est elle qui me l'a expliqué, qui m'a dit ouais moi je fais ça parce que j'ai des pores dilatés et tout, et moi comme j'en ai un petit peu ici et là. Et là, j'ai dit, bah tiens, bon, je mets de l'huile aussi, de l'huile d'olive avec du citron. J'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Mais voilà, j'ai voulu tester son truc. Elle m'a dit, c'est un masque, franchement, c'est trop efficace. Et voilà, donc elle mettait du yaourt et d'autres ingrédients. Mais moi, hier soir, j'ai mis du Nescafé et du cacao en poudre, le vanoten, celui qui n'est pas du tout sucré, le cacao amer là. Et avec de l'eau de rose, un peu d'eau pour tout diluer en plus. Et franchement, les résultats, c'est fantastique. Mais j'étais... Oh là là, j'étais épatée. J'arrêtais pas d'aller voir ma fille. J'ai dit, waouh! Mais ce masque, il est adopté. Je l'adopte. Il est trop bien. Je kiffe de fou. Et voilà. Du coup, bon, bah, faut savoir que le café... Il a des effets. Après, le café, faut le faire le soir, hein, parce que j'étais légèrement irritée, un petit peu rouge. Alors, je pense que c'était le café. Mais alors, les pores bien serrés et tout. J'avais la peau super lisse. J'étais trop contente. Franchement, faut que vous l'essayiez, vous allez voir. Et donc, voilà, on sait que le chocolat, ça contient... plein de bonnes choses, du zinc, du cuivre, des flavonoïdes, des antioxydants puissants qui régénèrent la peau, et du magnésium, je sais pas si je l'ai dit, voilà, plein de bonnes choses. Et le café, c'est raffermissant, donc et aussi c'est bon pour la circulation sanguine, donc ça active. Je pense que c'est pour ça que quand je me suis rincée, j'avais un peu la peau rouge sur des petits points, parce que je pense que la circulation, ça a travaillé. Mais sinon, nickel, hein, ça, franchement, j'étais super. Et voilà, donc je vous montre comment je fais, c'est simple, hein. Donc vous êtes prête pour faire un masque qui va resserrer tous les pores et raffermir la peau du visage. On y va. Alors j'ai trouvé cette jolie bonbonnière qui m'a semblé bien pratique, non pas pour la montrer comme ça, mais pour vous montrer mon petit mélange. Ah ouais, c'est du cristal. Il est l'heure de se réveiller. Allons-y. Alors, il faut du Nescafé. C'est pas la marque Nescafé, mais c'est pas grave. Hein. C'est exactement, c'est du café soluble. Du cacao pur, le vanoten ou d'autres marques si vous trouvez. Et de l'eau de rose. Voilà, on y va. Alors. Tarotatata. Je vais mettre la cuillère à café de cacao. Une cuillère de Nescafé. C'est de la bio, elle est très très belle, très très bonne. Ensuite, voilà, l'équivalent de... Parce que c'est très astringent aussi, l'eau de rose, ça resserre les pores. Et donc, on mélange.
là, je vais verser un peu d'eau tiède de ma bouilloire. Alors, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, parce que sinon c'est foutu. Bon, si c'est si vous en versez trop, ben, remettez du cacao. Hein. Voilà. Donc, se mélange bien. Je vais remettre un petit peu de cacao, un tout petit peu, léger, léger. Voilà. Pour faire une bonne petite crème, hein, que ce soit assez pâteux. Voilà, là ça commence. Voilà, là c'est bien là. Bon, nickel, 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 on y va. Je vais chercher un élastique, j'arrive. Donc voilà, là je vais enlever, je vais le faire avec mes doigts. J'aime bien faire tout avec les doigts. Alors c'est une sensation très très douce, hein. Franchement. Sur les pattes droites, hein? Bon. Le café c'est très bon pour la circulation au niveau des cernes aussi. Donc pour ceux qui ont les cernes gonflées ou colorées, c'est bien de mettre du café comme ça en soluble rendu en pâte pour mettre. Ça va décongestionner aussi. Ça sent bon. Ça sent le café chocolat. C'est très très agréable. Et puis ça tient. C'est pour ça que je voulais pas trop mettre le yaourt. J'ai pas essayé avec le yaourt, mais je pense qu'avec le yaourt ça coulerait un peu plus. Et là, vous voyez, vous pouvez aller lire un bouquin, bah même continuer votre ménage. Ça va pas vous gêner. Ça ne va pas vous gêner. Là, j'ai un petit peu. C'est un peu trop rapproché, mais. Bon, évidemment, hein, c'est un masque qui resserre les pores. Donc, je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit utile de le mettre sur le cou. Sur le cou, il vaut mieux mettre des masques hyper hydratants, repulpants, à l'acide hyaluronique. Là, ce qu'on recherche avec ce masque, c'est de la fermeté et puis voilà, une peau lisse. Voilà les amis, on va attendre. En fait, je vais attendre que ça sèche jusqu'à ce que ça craquelle un petit peu, quoi. Vous voyez, et à partir de là, vous pouvez rincer. Donc voilà, au bout de 15-20 minutes, eh bien, on a ce petit dessert à sécher. Voilà, le chocolat, il a craquelé avec le café. On sent... ça a resserré la peau, j'ai du mal un petit peu à articuler. Mais voilà, c'est ça, hein, c'est le fait de raffermir la peau, de resserrer les pores. C'est comme un masque d'argile, on va dire. Voilà, 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 c'est tout simple. Maintenant, je vais rincer et puis voilà, mettre mon huile de nuit pour continuer à que ça se régénère. Et demain, je serai magnifique. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que je vous ai bien expliqué comment faire le masque. En tout cas,
C'est quelque chose vraiment, vraiment, vraiment d'efficace. C'est agréable. L'odeur du café avec le cacao se mélange très bien. C'est vraiment et une sensation aussi jusqu'à que ça sèche, très agréable. Ça ne coule pas, ça ne perle pas. C'est voilà. Je pense que si j'aurais mis du yaourt, je sais pas, faudrait pas en mettre beaucoup, mais voilà, ça fait un peu comme un masque d'argile parce qu'on sent que la peau, le masque, il resserre la peau. Et je trouve que c'est assez agréable, quoi. Et franchement, donc, alors, sur la vidéo, évidemment, comme je l'ai fait déjà hier soir, là, je suis en train de vous parler, mais la vidéo que je vais mettre entre les deux, bien, c'est ce soir que je vais le faire, évidemment. Bon, une deuxième fois, c'est pour la vidéo, mais ne le faites pas comme ça d'affilée, hein, faites-le une ou deux fois espacées dans la semaine, évidemment, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et voilà, donc je crois que j'ai tout fini. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de commenter aussi, et aussi de me dire les résultats que vous avez eus sur votre peau. Voilà. Bon, faites attention pour les peaux sensibles, hein. Ne laissez essayer de ne pas trop vous oublier, hein, parce que c'est vrai que c'est très agréable. Moi, je l'ai laissé assez longtemps. Voilà, j'étais devant la télé, un peu devant le téléphone et tout ça. Donc, j'étais un petit peu tranquille et oui, voyez à peu près le genre de peau que vous avez et puis testez-le. Franchement, ça vaut le coup. Eh bien, je vais vous laisser. Portez-vous bien dans ces temps incertains. Et je vous embrasse très fort. Bye!